Tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Les voyeurs, comme tout le monde, channel. My name is Fifi. Do you want to know how I make this delicious food? So don't go anywhere. Stay wherever you are. This delicious, yummy Africa dish. So sit down. Je vais vous montrer. I'm going to show you how I make this one. Okay? Don't go anywhere. Stay wherever you are. Alright? This beautiful, yummy. So if you are not subscribed yet, subscribe if you don't want to miss any of my video. This recipe is so delicious. Delicious. I'm telling you, so delicious. So don't go anywhere. All right. Le recipe, c'est le poisson. Le poisson là, on appelle mélette et cassava, manioc, yuca. Chez moi, on appelle ça yuca. Et on va mariner le poisson là. J'ai déjà, comment dirais-je, lavé tout et tout. Donc, ça, c'est fish seasonement. I'm gonna add a little. That's the fish I'm showing you. You can get this one from Asian shop, India shop. Là, c'est comme ça. C'est comme c'est congelé là. Donc, je vais mettre un peu de piment sec là. Simple marinade. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça en Afrique. Un peu de l'ail sec, garlic, poivre, black pepper. Just simple one and fry this one. Oh my goodness. It's heaven. Le poisson là, c'est paradis. C'est très délicieux. Il faut bien mariner ici. Mettre du piment très bien. Le piment doit rentrer dedans là très bien. Mais si tu n'aimes pas le piment tellement, tu peux laisser. C'est pas grave. Et ça, c'est un peu de la farine. Je vais mettre un tout peu de la farine. I'm going to add a little bit of flour. Oh, childhood memory. I remember of my auntie. She used to make this one for us from the village and send us. Oh my goodness, my mom's sister. La petite soeur de ma maman nous faisait ça, envoyait ça. Elle-même, elle fait ça avec l'huile de coco. Oh my goodness. Still remember that. So delicious for snacking. This one is like snacking or dinner. And it's done. Simple. C'est fait comme ça, la marinade, c'est fini. Donc, on met ça à côté. Et ça, c'est du tamari. On va faire la sauce tamari. Chili and tamari. So, I'm gonna use my mustard for my chili. But you can use blender if you want. But because it's not a lot, just two, one and a half. So, I prefer to do here quickly. I don't need to dirty my blender or my food process. So I can use my mustard and voilà, c'est bon comme ça. Well, I'm editing this video, but I feel like I'm having it now. J'édite la vidéo là, mais c'est comme je vais avoir ça encore dans ma bouche. Et voilà, j'ai fini de piler. Donc, si tu es sur ma chaîne pour la première fois, n'oublie pas de partager, aimer, like it, and thumbs up for me. Et tamari, je vais prendre de l'eau et je plonge dans l'eau ici pour quelques temps. Tamari, là, c'est très facile à enlever les grains. It's very, very soft tamari. Like you can see, you can even use spoon or your hand if you want. Tu peux utiliser la cuillère ou bien ta main si c'est bien lavé, mais c'est très facile à enlever du tamari sur les grains là. It's so easy. So easy. Et voilà, je mets ça de côté. And let's go and fry our fish. Let's make the tamari sauce first. On va faire la sauce tamari d'abord avec du piment. Je vais filtrer ici un tout peu pour voir s'il n'y a pas les grains. Mais je pense qu'il n'y avait pas beaucoup. We're gonna boil this one for some time. And do not forget to go and subscribe to my other channel.
my vlog channel, my new channel. Please go and support me, Fifi, Sweet Fifi and Fa, my vlog channel, and my, how do you call, my weight loss channel, sorry, my weight loss channel, Fifi New Lifestyle. Ok, voilà, je vais mettre du piment ici. Allez-y, vous abonnez là-bas pour me supporter aussi. J'essaie de perdre un peu de poids. Donc, j'ai créé une chaîne pour me motiver à perdre du poids. Et vlog aussi, parce que je ne veux pas mettre les vlogs ici. Ça va être trop pour vous. Vous allez dire, mais c'est quoi ça? Il y a tout ici, là. Hein? Donc, là, j'ai créé les différentes chaînes, là. Bien, tous les trois, là. Je peux faire ça une seule chaîne, mais donc, YouTube doit éviter. Recommande us. Tu vois, YouTube donc, ne nous recommande pas de faire trop de choses sur une seule chaîne. Si tu veux faire d'autres choses, tu en es. Donc, j'ai mis un peu de cube manger fish là. On dit toujours de créer une autre chaîne, quoi. Donc, vous voyez, c'est pour ça que j'ai créé les autres chaînes là. J'ai mis un peu de cube manger. Donc, je vais laisser ça se bouillir un tout peu pour 10 minutes. Et je vais mettre du lime juice encore. I'm going to add lime juice, je vais mettre half of lime juice. Je vais mettre demi citron vert. Le citron vert, j'adore ça. Tamari, c'est très bon. Ça aide à perdre du poids aussi. Ça aide, tu fais le jus de tamari, tu bois ça. Ça va bien nettoyer ton ventre. Et voilà, après 10 minutes, ça aussi, c'est presque fini comme ça. J'ai juste rajouté un peu de tamari, comme vous pouvez voir. Les graines de tamari comme ça, je veux voir ça dedans quoi. I just had more tamari, fresh one. I didn't have any water on this, just to have the fresh one inside. Okay? And I'm done with this one. We are nearly done with tamari sauce. It was so spicy. I was coughing. It was very, very spicy one, but it was so good. C'était tellement piquant. Si tu es quelqu'un qui n'aime pas beaucoup le piment, ça c'est pas pour toi. If you don't like spicy, that's not for you. I'm gonna test it. It was so delicious. C'était très, 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 très delicious. Voilà, on a presque fini ça aussi. It's done. C'est fini. Donc, je mets ça à côté. On va les griller et bouillir le manioc. Ça, c'est pour griller. Et ça, c'est pour mettre les manioc ici. Those are fresh manioc. C'est les frais manioc que j'ai découpé. Et we're going to boil this one for 15 minutes. I'm going to add salt. On va bouillir ça pour 10 à 15 minutes. À surveiller. Ok, je laisse ça et on va aller griller le poisson. That was a dinner for my house. I wanted to feel like I'm in back home, Africa. Je voulais sentir l'Afrique chez moi ce jour-là. Donc, j'ai décidé de faire ça. Mais mes enfants n'ont pas tellement aimé. Ils ont juste, comment dire, je mets les oignons pour ne pas que mon lait soit noir. I just had onion to have the onion flavor on my oil. And I don't want that's my secret. So the oil will be dark so quickly. Ok, pour ne pas que l'huile se noircisse, parce que des fois quand tu grilles les poissons, des fois vite, vite, ton huile va être noire. Donc pour éviter ça, tu mets un peu d'oignon d'abord, grille ça jusqu'à ce que tu vois que c'est bien doré. Après tu mets tes poissons. Donc c'est ça, je fais comme ça. Je vais griller ça. Mes enfants, ils ont juste mangé le poisson avec les frites. Ils n'ont pas tellement aimé le manioc. Vous connaissez les enfants de l'Europe, non? Mais moi et mon chéri, aïe, on a bien mangé ça. Me and my hubby, we enjoy this one. We're lucky, we are in Africa. Wow. Oh my goodness. So I'm gonna fry my fish until it's golden color. Very, very golden color. Please, my banana milkshake, do not forget to go and subscribe to my channel, Sweet Fifi and Fam.
My vlog channel and my weight channel to support me Fifini lifestyle. I will leave the link description button. Je vais vous laisser les deux channels link sur ma barre d'infos pour aller vous abonner pour me supporter là-bas aussi, comme vous me supportez ici. Ok? Je fais plein de choses là-bas aussi. Vous pouvez me suivre sur Instagram aussi, le secret de la bonne cuisine. Ma page Facebook, le secret de la bonne cuisine. Voilà. My fish are nearly done. Oh my goodness. Oh my goodness. Oh dear. J'ai fait le montage de la vie de la mère. I have saliva in my mouth now. Honestly. J'ai la salive dans la bouche. Je fais le montage. I have saliva in my mouth now. I'm editing this video. Try this recipe and come back to me. DM me on Instagram. You say thank you. Le secret de la bonne cuisine. This recipe was so delicious. You had to be fried. Faut que ça soit bien doré. Ok? Golden color fish. Ok? That's what we want. Crispy outside and soft inside. That's what we want. This fish should be like that. Voilà. Now it's time to take it out. It's done now. It should be like this. It should be like this. You see? And you see my oil too is no dark because of that oil, onion. Vous voyez mon lui, c'est pas tellement noir à cause, parce que j'avais mis l'oignon là. Donc, ça n'a pas tellement noirci. Et I'm gonna have the second batch. Je vais mettre deuxième batch. Second batch is nearly done too, and I'm gonna check on my cassava to see if my cassava is boiled. Je vais voir mes manioc, yuca. Chez moi, ma langue, on appelle ça yuca. Yuca, cassava, yuca, manioc, yuca. It's not nearly done, but my fish is done. My second batch is done now. And my yuca is done too. Okay, my cassava is done. So I'm going to remove that one. I had the red fish there. The red fish was fried. Didn't show you guys that one because it's not part of this recipe. Je ne vous ai pas montré le poisson rouge. J'avais mis ça pour mes enfants au cas ils n'aiment pas l'autre poisson là, comme c'est petit là. Donc j'avais. Et voilà mes maniocs. Et it's done to serve. It's time to serve. Look at. Oh my goodness. Oh my goodness. Tell me if you don't like this one. Faut me dire si tu vas pas aimer ça. Tu vas aimer obligatoire. Ça te rappelle pas? Ça te rappelle pas en Afrique? It's child memory back. That was the red fish for my cakes. In case they don't like the other one. Okay? S'ils n'aiment pas l'autre là, ils vont manger l'autre là. Et je vais mettre mes yuca à côté là. Après, on va aller sur la table pour manger ça avec ma famille. And we're gonna go on the table to have this one with my family. My family. Try it. And you DM me on Instagram to tell me thank you, le secret de la bonne cuisine. Voilà, I'm gonna bring the tamari sauce to put, and voilà. Voilà, it's done. Friday, it was Friday. Friday in my country, England, is fish day. Le vendredi en Angleterre, c'est le poisson. Ça, c'est leur culture, ça. C'est le poisson. Donc, nous, on est habitués à ça. Les vendredis dîner, c'est le poisson. Chez nous, ici en Angleterre, in UK, Friday is fish day. So
Every Friday, I always do fish day. Okay? Sometimes, not all the time, pas tout le temps. Okay? So beautiful. Okay, like I promise you, I'm gonna show you how am I going to eat this delicious Africa dish. Like this. The fish. Childhood memories coming. If you can't find this fish, look for mini tilapia, the little one. I will do that video too. Wow. I did not subscribe yet. If all this delicious food, you are not subscribed yet. You are missing. Big, big, big thing. You are missing. You see? Let me grab water. Before I can end this video. Let me grab water. I have water because this tamari sauce is so spicy, very, very spicy. So I'm gonna sit down with my family and enjoy this dinner. It's Friday in my country, in my house, and in my country, Friday is fish, fish, fish. People eat most of the day fish Friday. It's your first time you're on my channel. Do not forget to subscribe, like it, comment below. And share everywhere you can share, okay? And thumbs up for me as well. À très bientôt pour une autre vidéo. Si c'est la première fois que tu vois ma cuisine, tu as aimé ce que tu as vu, n'oublie pas de t'abonner avant de quitter. Partage ma vidéo. Tu peux me suivre sur Instagram, le secret de la bonne cuisine, ma page Facebook, le secret de la bonne cuisine aussi. Allez-y, me supporter là-bas. Je fais plein, plein de choses là-bas aussi sur mon Instagram. Je poste les vidéos là-bas, les photos. Donc, you are not subscribed. Subscribe. Otherwise, look at this. You're gonna miss it. You're gonna miss a lot. It's coming. Ok? Beaucoup de vidéos, ça arrive. Donc, faut t'abonner. Tu veux pas manquer aucune de mes vidéos. À très bientôt pour une vidéo. And bye for now.